Tac. Voilà. Donc sachant, vous avez pu voir qu'on peut mettre carrément les trucs sur YouTube. Enregistrer notre replay, parce qu'il y, y a des choses... Donc je vous laisse découvrir les autres mini-jeux. Hein. Je vais juste faire celui-là qui est assez sympa. Sachant que sur ce mini-jeu, il y a une différence entre la Xbox et le PC, car sur Xbox, c'est trop simple, et sur celui-là, bah... j'ai pas encore compris. Alors déjà, la moto... Alors, je vais vous montrer. Hein. La moto est sur cheat. C'est-à-dire que j'ai mis un petit coup d'accélérateur et vous faites un saut arrière. Donc ça, c'était fait pour les biens du... Donc voilà. Normalement, il faut faire X et Y. C'est censé nous faire... battre des bois. Oui, parce qu'on peut pas appeler ça des ailes, je suis désolé. Mais sauf que ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Donc... Donc bah c'est bugué. Alors que sur le la version Xbox, donc sur le Xbox Live, ça marche très bien. Donc voilà, j'ai pas pu faire plus de l'or. Maintenant on va jeter un petit coup d'œil sur l'entrepôt, même si c'est pas ce que je voulais montrer forcément. J'ai fait quoi là? Ok, c'est bugué. Ah oui, alors en vrai ça, ça doit être un petit bug aussi, je sais pas pourquoi ça fait ça. Oui. Non mais alors, t'as pas compris, moi je vais aller sur lui. Non, tu veux pas. C'est... Non. Ah non, non, je me rappelle. Alors, il faut que je fasse ça. D'accord. Donc voilà, aussi, chaque nouvelle difficulté, hein, on va se faire un petit moyen, je pense. Et les jeux d'adresse aussi. Voyage de rêve. Alors ouais, alors celui-là il est vraiment space, hein. Ça c'est la spacetitude, je sais pas comment dire d'autres, mais c'est vraiment étonnant la création, le niveau artistique de ce truc. Sachant qu'il y a moins d'effets et moins de choses sur les maps, enfin si des fois il y a beaucoup d'effets, sur les maps entrepôt, des fois lag un peu moins, un peu moins, bon pas toujours, hein, parce que des fois c'est chargé en explosion. Donc voilà, ça c'est... alors soit vous êtes drogué, soit ça a une coïncidence avec, je sais pas moi, l'alcool. Enfin, de voir un paysage comme ça, c'est vraiment... space. J'ai pas d'autre mot là, hein, c'est le mot qui convient. Si je dis tout le temps space dans mes vidéos, donc Dark Moon le dit, c'est à cause de la référence Portal 2. Oui, Portal 2, je sais pas, non, Portal 1, je pense pas, Portal 2. Et si vous connaissez pas Portal 2, bah, Wikipédia. Alors, excusez-moi, je fais une course de merde, là. C'est assez monumental. Je conduis vraiment très très mal. Je vais essayer de me concentrer un peu. Enfin, c'est que c'est pas drôle de se concentrer. Aussi, peut-être une explication au vu des... Oh, je suis passé. Au vu du peu de vidéos produites dernièrement, c'est j'ai eu des problèmes un peu au niveau familial, on va dire, avec l'ordi. Ensuite, ça peut être à cause de parce qu'en fait je restais trop longtemps pour les uploads, ça me prenait trop de temps, du coup c'est pas bien. Donc, vous voyez qu'on peut custom notre perso, hein, avec ces choses là qui sont offertes avec des packs. Qui sont gratuits, hein. Enfin avec les points Uplay. Donc les motos qu'on peut custom, hein, y a plein de façons de custom, hein, enfin surtout changer les couleurs, hein, je vous le dis. Donc voilà, voilà, en gros c'est ça. Alors j'ai pas beaucoup de répondants là. Les stats, bon vous en foutez, hein, alors niveau 1 c'est pour le multi que je vais vous montrer maintenant. Donc en ligne ou local, sur une piste de 4 de large, vous faites, vous pouvez jouer à plusieurs, hein, clavier, manette, tout ce que vous voulez, en ligne. Alors en ligne ça prend trop de temps de trouver des gens, donc je prends centrale des pistes. Alors ça c'est le côté Little Planet, comme j'aime bien dire, de ce jeu, c'est obtenir des pistes. Vous pouvez créer des pistes comme en télécharger, donc on va voir ce qui se présente. Je vais vous montrer l'éditeur brièvement après. Quoique non, en fait je vais vous montrer maintenant. Si j'arrive à sortir ce truc,
Moi, je reprends quand c'est fini. Donc voilà, par exemple, donc là je suis allé dans les. Enfin. Dans une certaine catégorie qui sont les mieux notés de cette semaine. Donc nous avons qui a l'air sympa, Ice Throne et Tourm. Je veux juste voir, on va tester, on va télécharger. Donc téléchargement de la piste. Avec Mako pourri, on arrive à peu près à autant de temps que vous allez le voir hein, en termes de téléchargement. C'est-à-dire pratiquement rien du tout. Alors même si des fois ça vous dit un message d'erreur, hein, n'hésitez pas à recliquer. Sur télécharger, hein, ça peut arriver, mais ça se résout très vite. Je vais faire cette course, je vais monter l'éditeur et on va se laisser là-dessus. Oula, 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 je tourne à bas FPS là. Et cette vidéo, enfin les trois parties de la vidéo font, je dirais. Oula, oula, c'est déstabilisant. Ça me fait penser à un vieux jeu qu'il y avait sur le PC de l'école à l'époque. En tout cas, c'est très sympa. De Dieu. Allez. Hop. Oh putain. Je suis en mode voile. Voile du 7-4. Hop. Tac. Aussi, si jamais, j'ai à vous dire, pour ceux qui nous regardent, que mon pseudo c'est toujours anonymat, mais vous me verrez souvent aussi sous le nom de Sleeping Bat. Hein. Cherchez pas à comprendre. C'est. Enfin, ça particularise. Ça caractérise un peu ma nature. Je me demande toujours pas pourquoi. Attendez, j'essaie de me concentrer là. Ça va. Donc voilà, vous me verrez ici sous ce nom, donc si jamais vous cherchez dans certains jeux qui pourraient, que je pourrais jouer, hein, même si je joue pas beaucoup de jeux sur PC, par les principaux, hein. À savoir aussi que je vais vous faire un free-to-play sur un jeu free-to-play d'ailleurs, qui est sorti il y a pas longtemps, qui se nomme Warframe, hein, que je kiffe sa race, pour être descriptif, et que ce niveau me pète les couilles pour être descriptif. Allez, en mode, mode ninja, attention. Yeah. Ninja. Ninja. Yeah. Oui, 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 non. Descends pas, rouge. Allez, allez. Allez. Oui. Non. Oui. Ça passe. Aïe, ça passe moins bien ça. Oula. Ah, ça fait du bien un peu de soleil. Ouh, c'est même. Ça rend même vachement bien. Bon, ça pète les yeux, hein. Mais ça rend vachement bien. Allez. Oui. Oui, ça passe. Putain. Bon, sans faire de mauvais jeu de mots, je crois que je me suis fait poutrer. Oui, je sais, c'était mauvais. Mais attends, mais on passe comment là? J'espère que j'ai la bonne moto hein, parce que je vois pas vraiment. Oui. Attendez, je vois pas vraiment comment passer en fait. Bon, là, je passe en mode freestyle. Alors. Non, alors déjà. Yeah. J'adore les cris qu'il fait. Hein? Vous êtes sérieux, madame? Non, mais abusez pas là. Attendez, c'est un chemin qui est derrière? Ou ça nous fait juste tout miauler en haut? Ah ouais, ok, à la Sonic, tu fais péter les blocs. Ah bah en fait c'était par là, oui je me disais qu'aussi le premier passage avait l'air douteux. Foiré de créateur de map. Ah non attendez, celui-là j'y vais doucement. Celui-là j'y vais à fond. C'est ça. Poum, a bouffé du rocher. Tac, ouh ça c'était géré ça. C'était complètement géré. Putain, mais il faut que je me rappelle à quoi ça me fait penser là. Ça me fait penser à un jeu, ce genre de tour là.
Ouais, on a gagné! Oh putain. Bon bah il était cool ce niveau. Hein. Ouais, moi je note bien parce que ça m'a plu. Même si c'était un peu chaud. Je sais pas si je vous montre l'iter. Ouais, je vais montrer vite fait. Allez. Je coupe, je reviens. Tac. Alors, Editor Pistonard ou Pro, donc vous avez compris, comme la plupart des jeux de création. Donc standard, il nous propose moins de contenu, plus on est plus aidé, et genre Pro, on se démerde, hein. Voilà, donc je vais faire du standard juste pour montrer comment fonctionne cette chose. Alors là, les textures sont moches, hein, c'est normal. Dès qu'on s'en approche, vous voyez que ça s'actualise et c'est joli. Donc ensuite, donc, vous avez le choix de faire votre truc dans toute la map, que vous pouvez voir la mini-carte juste en dessous, enfin juste en dessus, en haut à droite. Et donc nous avons moyen de poser, de mettre des choses, sauf que j'ai pas envie de vous montrer ça maintenant, ça va me prendre du temps. Je vous conseille d'avoir, il y a des très bons tutos, hein, c'est juste que moi je m'y connais pas, mais il faudrait que je m'y intéresse. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. On va juste tracer une route n'importe comment. Tac. Hop. Comment on fait déjà? Tac, voilà. Allez. Je fais n'importe quoi. Hein. On est tous d'accord. Alors, sachant que je trouve la caméra un peu zarbi. Voilà. Tac. Wow. Et tac. Et tac. Et voilà. Là, maintenant que j'ai bien fait n'importe quoi. Elle est pourrie cette moto, non? Alors attendez, soit j'ai changé la gravité, soit il y a un truc qui va pas du tout là. Mon jeu tourne à 0,3 là. Bon, on va se laisser là-dessus. Je vous dis salut à tous, c'était Trials, la présentation de Trials Evolution Gold Edition, créé par Ubisoft, tralala, sorti cette année. En fait, ça fait pas depuis Noël hein, que je me suis trompé. Donc je vous dis à plus.